mon âge, je ne sais pas. Je suis née le 3 mars 1917. Mon prénom, c'est Françoise. Françoise Madeleine Jeanne. Mais mon nom, je m'appelais Françoise. Et quand j'étais jeune fille, je m'appelais Françoise Chevrier. Et après, Françoise Chapron. Merci. Voilà, madame. Hein? J'espère que ça vous a fait plaisir. Oui. De voir une voiture. Elle est très belle. Hein? Très bien. Et puis, elle fait pas vieux jeu. Ah, pas du tout, pas du tout. Non. C'est une très belle voiture de 1937. 1937? Oui. Voilà. Carrosserie Chapron. Une Delage D6 70. 1937. Mon père, Henri Chapron, est mort le 14 mai 1978. Il habitait au 6 rue Bailly d'Avricourt. En 1980, sa femme, Françoise, est venue habiter au 3 rue Marguerite, Paris 17e. Dans un appartement de 4 pièces au 3e étage. Elle a habité là de 1980 à 2010. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps j'ai pas trop secoué, des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, ça c'est une Chapron. 235 Chapron qui avait été vendue neuve à Willy Breitling. Pardon. Ben ça c'est une DS Chapron. Voilà. Ce matin sur Europe, il m'est arrivé. Chapron, pourquoi ? J'ai raconté l'histoire de Bouvard, mais tu peux le trouver sur Internet. Mon mari a fait des voitures pour le roi du Maroc, il a fait des voitures pour beaucoup de présidents, oui. Mon père, Henri Chapron, était quelqu'un de très droit. C'était quelqu'un qui était très fier et un perfectionniste. On s'en souvient, on s'en souvient.